46 in college Ave, where I was raised, spent my days counting sun rays. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réaction live, une réaction live sur le Team Tash Evolve, et oui, qui vient juste de sortir, celui qu'on attendait tous, le Team Tash Overdue, le cinquième Team Tash, édité par Drift. Et donc là, c'était vraiment avec impatience que j'attendais ce TT, parce que c'est vrai que le TT4, il date quand même de pas mal de temps, il date d'un an presque, le TT4, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que cet été va vraiment me faire kiffer, j'espère qu'il y aura des bons stunts, et puis Edit by Drift en plus, voilà, oh, que ce qu'on demandait de plus. Donc voilà, sans plus tarder, on va réagir dessus. Ok, c'est parti, on va mettre le tintage en plein écran, 720p, 60fps, tac, on va bien placer le micro. Et on va faire un petit décompte. Alors attention. 3, 2, 1, let's go! Ok, l'intro. Alors attendez. Faut juste que je monte un peu le son. Drift présente. Evolve Stunting. BMX Team Tash Overdue. Alors ils mettent pas BMX Team Tash 5, ça c'est bizarre ça. Ok, Tao. What the fuck? C'était quoi ça? Ok, From Boons to Side Ride. J'ai pas compris le début, il s'est passé un truc, what the fuck? C'était plutôt original. Ok, Mazaboy. Mazaboy, il va faire le As ici. Le Bunny, to handle. To board, nice. Il va enchaîner, il va refaire un handle. Wow, magnifique combo. Bunny, to. Bon, pour magnifique combo, c'est génial, j'adore. Ok, Wizo. Ok, Handel Benny. Tout bump sur le canon. Wall glitch, tout. C'est une beauté, c'est vraiment nice. J'adore la musique en plus. Ok, Escozo. Escozo side ride. Le petit cog, il va rendre. Oh là 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 là, c'est beau. Magnifique. Ah, oh, j'adore. La musique, elle est trop stylée. Odexis. Ok, le petit board. Sympa le spot. To handle. Ok. Ah, c'est vrai que ça a jamais été fait ça. Le petit as. Tout en switch. Bunny to. Ouh là là, c'est beau. C'est magnifique. Kiskret qui va faire le assist, le petit bump. Wow, board. Ok, c'est un petit peu random, je trouve. Mazaboy, handle bunny. Wow, le bunny, what the fuck. Ouh, oh, le handle à la fin. Vraiment nice. Il a des bons stunts, Mazaboy. Ok, handle, hipster slide, side ride. Oh là là. Il y a des stunts, on s'y attend tellement pas. Pfouh. Ok, Escozo, handle, veigner. To board, to handle, ok. C'est vraiment nice, mais celui-là je le connaissais déjà. Nice. Escozo. Tao, Tao. Il va faire quoi? Il va faire le petit tipster slide. Mr. Sly pour enchaîner le petit bump vers la. Ok, le tri, nice. Sympa. Sympa l'édit. Est-ce que c'est fini? Ah, d'accord. Il y a carrément un changement de musique. Handle, Bunny. To handle. To handle. Nice. Nice petit combo. Assez original le spot. Qui se crête. Ah, là, l'edit, il a changé un peu. J'aime pas trop. Ok. From Boons to board. La musique, j'aime moins aussi. Ok, là, c'est carrément une line. Nice. Ok, ouais, c'est un peu plus... là, c'est un peu plus street, j'ai l'impression. Sympa, les ciné. Avec la base militaire. Mm-mm.
Qui est, c'est qui? Rom-Mom. Rom-Mom qui va faire le side ride, ok, le wall ride sur le bus, à l'ancienne. À l'époque de Dada, nice, il reste accroché dessus, putain, c'est nice. Ok, il va rouler, oh, il va renchaîner le wall ride, propre. Franchement, super original. Wizo. Qui va faire le board, Twindle sur le camion, il va refaire le board. Ok, il va le tenir jusqu'à la fin, c'est clean, propre, nice. GG. Mazaboy, Framboons. Ouf, oh sympa le spot. Framboons to tree. Oh, board to tree, nice. Ok, il a des bons spots, Mazaboy. Odexis, Wellboons to handle. Bunny to board. Il va ref. Oh là là. Oh, c'est propre. Oh putain, c'est nice. J'adore. Il a beaucoup de stunts, Mazaboy. Ok, le wall ride. Board. Re-wall ride, nice. Oh là là, c'est stylé. Momat. Par contre, j'ai l'impression, ça, je sais pas combien il y a de membres, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de membres. Ok, le board to board. Le petit opistoise, nice. Momat, il a plus un style un peu street. Nice. Mais c'est propre. C'est propre et c'est fini, je pense. Ok, on va voir l'outro. Stunter. Ah, c'est quoi cette police? Mazaboy. Momat. Ah, avec les petits logos, sympa. Escozo. Ah, sympa le logo de Escozo. Robman. Tao. Kiskret. Wizo. Le petit hibou en mode humain. Odexis. Ok. Thanks. Ah, c'est Thanks for Watching. C'est le même que le Team Tash 5 Extreme Style. Et voilà, c'est la fin de cette réaction live sur ce TT Evolve Overdue, oui, c'est ça. Vraiment magnifique, vraiment l'un de mes team tâches préférés, franchement, magnifique. Les stunts sont magnifiques, l'edit, l'edit, je vais en parler un peu justement avant de finir la vidéo. L'edit, la première partie était vraiment magnifique, rien à dire. L'intro avec Drift présent, tout ça, c'est vraiment magnifique. C'était magnifique, même les textes, les polices des textes, Mazaboy, tout ça, vraiment magnifique. Par contre, il y a une deuxième partie, enfin une sorte de deuxième partie avec un changement de musique et tout. Et là, j'aimais pas trop en fait l'edit. C'était un peu plus de l'edit street, enfin je sais pas comment expliquer. Déjà, j'aimais pas la musique et l'edit, j'aimais pas trop. Voilà. Et à la fin aussi, tant qu'on y est, en parlant de l'edit, à la fin, quand il met Stunter, j'aime pas du tout la police Stunter. Et par contre, je trouve que c'est plutôt original quand il met les pseudos avec le logo en fond. Enfin, c'est pas vraiment un logo, mais c'est une image qui représente la personne. Et c'était vraiment stylé, je trouve. Celui d'Escozé était vraiment marrant. J'avais jamais vu ce personnage en mode raton. Donc voilà, sinon, on va en finir là pour l'edit. Pour les stunts, alors, les stunts, pour moi, MVP, Mazaboy, franchement. GG à toi Mazaboy, t'as vraiment des stunts qui m'ont hyper impressionné, mais il y a aussi d'autres stunts qui m'ont impressionné. Tao, l'opener, était vraiment très original, même si il était assez bizarre, j'ai what the fuck quoi, mais j'avais pas compris sur le coup, mais j'ai re-regardé le teamtage avant de faire l'outro, et c'est vraiment original je trouve. J'ai beaucoup aimé les stunts de Escozo aussi, j'ai kiffé le stunt de Odexis quand il fait son stunt au parc d'attractions, vraiment magnifique. Le combo est juste impressionnant. Et puis, Momat et Rom-Mom avec son stunt sur le bus était vraiment très original, même si c'est aussi une technique qu'à la base Dada 9x9 a trouvé, donc du coup ça m'a moins impressionné. Je parle bien de la technique du bus, hein, je parle pas du stunt en lui-même, je parle de la technique du wall ride sur le bus, mais le stunt était vraiment magnifique en lui. Vraiment, je sais plus c'était quoi, c'était un side ride je crois, side ride to wall ride sur le bus, et le bus en plus il roule super longtemps avant qu'il renchaîne un wall ride, c'est vraiment, j'ai plus de mots, voilà, vraiment magnifique. Un magnifique stunt aussi de Wizo avec son handle, je pense, bunny tout board sur le canon, et il se fait propulser, et là il fait un petit wall glitch sur le motel, là, le petit panneau motel. Et bim, il fait la précision, vraiment magnifique. Bien joué à toi. Et Momat avait aussi des très bons stunts. Enfin, franchement, tous les membres avaient des bons stunts. Kiskret, un peu moins. Enfin, après, Kiskret, j'ai pas envie de critiquer parce qu'il a un style que moi, j'aime pas trop, mais que beaucoup de gens aiment.
un style un peu street comme ça. Donc je pourrais pas juger. Mais moi voilà, c'est pas trop mon style, donc je peux pas trop juger justement sur ça. Je peux pas trop critiquer parce que c'est un style que beaucoup de gens aiment, mais que moi j'aime pas forcément. Donc voilà. GG vraiment à tout le monde. Vraiment magnifique TT. Bien joué à toi Drift pour l'édit. Fin de la réaction live. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao tout le monde.